For many, Sunday is a day of rest, a day to take it easy and relax after a hard week's work. But not in this house. In this house, we use Sunday to celebrate legacies and crown champions. Friday was not too good to North America, but one beacon of hope still remains. But in their way, the reigning world champions. Two organizations that have competed in multiple Worlds finals collide one more time for a spot in the finals here in Copenhagen. What stories will we tell of this international clash of Rocket League titans? Copenhagen, it's time to kick off Championship Sunday! Championship Sunday, la fin de ce Major de Copenhague qui commence à 18h avec cette rencontre entre G2 et Vitality. Le Death, on a parfaitement parlé, ça fait presque 5 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés sur Rocket League. La dernière fois, c'était en finale des championnats du monde saison 7 Razor et on sait comment ça a fini. Contre. Et là, ils n'ont pas la possession de la balle. On est parti avec Zen qui a pu s'en saisir. Ok, premier duel bien neutralisé face à Daniel, face à 54 qui peut continuer. Il va essayer d'ajuster face à la défense, mais on sera là avec Bismode. Allez Zen, à la récupération du ballon, il a pris le boost, il ne pourra pas enchaîner. La recover n'était pas assez bonne. Bismode, le contrôle pour Daniel. C'est dans l'axe, il y a Alpha qui est dans les airs, qui va venir le gêner. Il a été suivi par Rado. Alpha en retrait, attention, on était très haut sur le terrain. C'est Zen finalement qui peut récupérer le ballon. On va chercher un pinch sur le mur, ce sera bloqué par Bismode. Allez, ballon au milieu du terrain, repris par Rado, c'est un contrôle orienté. Il va essayer de passer à la défense, mais Daniel a pris un très bon duel. Ça peut lancer Atomic sur le côté droit. Qui va devoir se replier sur son backboard pour essayer de relancer dans l'axe. On a sauté du côté de Radosin, ça met un bon ballon dans la moitié de terrain des G2. Bismode la touche en autant peut-être. Ça ne passera pas, c'est pour Alpha54 dans le corner, la touche d'Alpha. Ouais, ça met le ballon en direction des filets, attention à cette relance axiale un petit peu timide, mais G2 tient bon. Ouais, Atomic qui va essayer de relancer, il a plus de boost, on se débarrasse du ballon, quoique il y a Bismode qui était là pour une redirect. Il cherche une double tap et il ne peut pas trouver l'angle pour avoir le cadre. Oh, il a complètement bum Daniel, ça n'ouvre pas d'espace puisqu'Atomic a fait le turn. Daniel au milieu, face à Radosin, il arrive à prendre un duel très intéressant, le joueur de G2, mais c'est Zen qui repart avec le ballon. Atomic est là pour le contrer, j'ai peur que ça rentre, c'est complètement open. C'est G2 qui ouvre le débat. Atomic avec ce très bon duel qui vient donner l'avantage à G2 sur Zen qui n'arrive pas à toucher la balle malheureusement. Atomic, c'est tout droit pour lui, G2 qui ouvre le score après 1 minute 20 de jeu. Ouais, Zen qui pensait probablement avoir un petit peu plus de temps devant lui pour ce setup, mais non, Atomic est arrivé très vite et toute l'équipe de Vitality a été prise de vitesse sur ce challenge. Allez, Zen ici peut-être une occasion de se rattraper après le kick-off face à Atomic, il est passé mais il s'est fait bump. Daniel sur le backboard, la relance elle est pas très bonne, c'est Bismode qui va devoir prolonger au sol. On peut reprendre du côté d'Alpha 54 dans le corner. Attention à Bismode, il gagne un très bon duel, donc c'est un petit peu gêné du côté de G2. La communication entre Alpha et Radosin, on va laisser Radosin, il y a les Zen qui est obligé de se repositionner sur son backboard. Touche qui met ce ballon de l'autre côté du terrain, Alpha 54 qui se hâte d'y aller, mais on est déjà présent dans les airs. Du côté d'Atomic, pendant que Bismode est en train de faire le ménage, il avait supprimé 2 défenseurs de Vitality. Ouais, attention, là on cherche le backboard hein, pour Daniel, ce sera bloqué par Zen. Il est attendu par Bismode au sol, il arrive à l'éliminer avec un excellent flic. Derrière c'est Atomic qui doit assurer une bonne défense. Oh, pas de psycho, ça donne un bon ballon pour Radosin qui cherche une double tap, c'est bloqué par Atomic. Alpha dans la qui va se faire contrer par 2 joueurs de G2. Bismode, pas de ressources, c'est repris par Zen. Passe pas, attention à la frappe, il devrait bien la personne dans la cage de G2. Et ça va passer à 3,54 pour l'égalisation un partout. Ouais, très beau travail hein, de Zen, là le flip reset derrière la relance de Daniel dans l'axe. Elle est mauvaise et c'est Alpha qui en profite. C'est pas puissant mais c'est dans le dos d'Atomic qui n'a pas de ressources sur le backboard. Il ne pouvait pas intervenir, Razor. Un partout, on a déjà un premier match très serré. Et on est quasiment à la moitié de cette game numéro 1, Fifi. Et le ballon il est pour Zen juste après le kick-off. Est-ce qu'il peut continuer à essayer de passer toute la défense avec un double tap? Oh, la parade de Bismode très solide là sur sa ligne. Est-ce qu'on peut turn du côté de Radosin? Il va falloir remporter ce duel à Atomic, c'est fait. Le ballon est neutralisé au milieu. Alpha 54 qui essaie de lancer un coéquipier, on s'est un petit peu mal entendu, on essaie d'y aller du côté de Radosin, le genre de G2 s'est raté, qui prisette du côté de Rado pour remettre ce ballon dans l'axe, c'est écarté par Atomic. Ouais, attention à Zen là qui se fait prendre de vitesse par Bismode, il va essayer d'y retourner, il avait eu son reset sur le ceiling. Derrière c'est Atomic qui est venu contrer la relance de Vita. Alpha qui va devoir intervenir sur cette balle, quoique bonne communication, hein, c'est Radosin qui s'en charge mais il est mis sous pression par Daniel. Alpha, il y a Bismode qui va arriver sur son chemin, il décide de prendre son temps, il va aller jouer le 50 sur le compte au sol mais il est remporté par le joueur de G2. Atomic la passe dans l'axe, ce sera directement sur Rado. Ouais, double saut du côté de Radosin. Le ballon est un petit peu rendu, on est toujours un petit peu dans cette moitié de terrain des Vitality là sous pression, un Bismode qui gagne de précieux mètres. On a tenté la double tap de rediriger ce ballon là au premier poteau mais ça n'a rien donné. Zen avec Alpha passe trop en profondeur, ce sera pour la défense backboard de G2. Daniel avec cette relance aérienne, Bismode qui vient bien seconder, le ballon qui viendra centrer avec le point de corner, Atomic peut-être la redirect, c'est finalement une passe dans l'axe, le ballon sera sur le backboard et ce sera sans difficulté pour Alpha 54. Mais attention parce que les joueurs de G2 ils sont très incisifs et ils arrivent à assez régulièrement prendre les joueurs de Vitality de vitesse. Allez Daniel qui prolonge avec le pinch, ce sera rendu à Zen, ce ballon qui va quand même se faire contrer. Radosin depuis le backboard, très long dégagement, hein. Zen ne peut pas la jouer, c'est Bismode qui sera là, on a réussi à pinch avec un peu de réussite avec Atomic. C'est cadré, Alpha doit intervenir, il est mis sous pression par Daniel, très rapide, très agressif, qui a trouvé un bum sur Zen. Atomic contré par Alpha et ça part de l'autre côté. Retrouve Bismode au milieu du terrain, voilà toujours encore Bismode, elle est cadrée, heureusement que Zen était là pour venir couper la trajectoire, on était présent dans la moitié de terrain des Vitality quand même, mais la frappe était belle. Alpha 54 qui va essayer de repartir, c'est timide à la relance de Vitality, mais les duels sont reportés, le travail est fait, ballon au milieu du terrain, Bismode qui va tenter de connecter, Atomic qui tente la passe par l'axe, elle est bien vue, la frappe, c'est sur la barre. Ouais, attention parce que la fin de match pour l'instant elle est plutôt en faveur de G2, on est rentré dans la dernière minute mais c'est l'équipe nord-américaine qui a plutôt le contrôle sur le jeu. Allez Zen, on serait bien inspiré d'aller trouver un but ici, il sera bloqué par Atomic au premier poteau. Alpha, Rado, ouais on communique, c'est Rado qui va y aller finalement, même si c'est à l'avantage du joueur de G2. Rado, ouais peut-être dans l'axe, il va laisser Alpha mais il s'est fait bump, Radosin qui doit y retourner et faire le turn face à Bismode. Zen à la récupération sur le mur, on essaie d'envoyer un très long ballon, c'est repris par Daniel. Est-ce qu'il peut continuer Daniel? Il a suffisamment de ressources, on a sauté du côté de Radosin pour venir bloquer l'espace aérien. Oh malheureusement Zen avec Alpha, mais c'est finalement Zen qui peut aller sur cette balle. Ballon dans le corner, écarté par Bismode, gouttière inférieure, Alpha 54 qui part dans les airs. Peut-être essayer d'aller trouver un pinch sur ce mur, ballon remis dans l'axe, Radosin qui essaie de trouver une démo, Zen qui va la mettre sur le backboard, il faut pas se rater, Daniel qui va toucher. Ouais, Daniel qui va pouvoir poursuivre en plus dans le corner, essayer de relancer le ballon le plus loin possible. On est dans les 5 dernières secondes, un but serait le bienvenu, un passe d'Alpha vers Zen, le contre est intéressant, il essaie de la retoucher, il est bloqué par Daniel. Radosin sur le mur, qui ne veut pas jouer ce ballon, on cherche un overtime et on l'obtient. Prolongation dans cette game numéro 1 entre Vitality et G2's Ride. Kick-off sur le côté pour Radosin. Attention à Daniel qui a une belle opportunité sur le télé, il va falloir défendre ce backboard et ce sera fait avec une très bon sortir de Radosin. Allez Bismode à la récupération depuis le corner, il va essayer de repasser dans l'axe, dans les airs bien évidemment, mais il est bloqué par Alpha. Atomic qui va être le premier sur ce ballon, il y a Rado qui n'arrivera pas à le contrer, Zen la lecture, il faut pas se rater là-dessus et c'est bien assuré. La passe avec l'aide du wall de Daniel vers Bismode qui cherche une double tap, elle sera contrée par Zen. Ouais, très belle défense de la part de Vitality, on vient couper l'opportunité backboard, démolition de Zen sur Atomic. Radosin qui va flip, malheureusement on va devoir concéder la possession de balle. Daniel qui arrive à neutraliser un duel intéressant, Atomic qui viendra frapper Zen pour le gêner. Attention à ce ballon qui va rebondir sur le sol, pas de gouttière hein, pour cette balle un petit peu tendancieuse. La frappe ici, sans difficulté, attention, on était quand même sous pression dans la défense. Ouais, bonne communication, mais encore une fois, hein, c'est les G2 qui sont le plus dangereux depuis un bon moment. Hein. On n'a pas réussi à voir la team Vitality mettre le siège sur la cage nord-américaine. Allez, Radosin qui va se faire contrer par Bismode qui poursuit son effort ici, qui arrive à trouver un bum sur Zen. Alpha va venir épauler son coéquipier. Atomic de l'autre côté, Daniel qui sera le premier, qui va chercher un wall read probablement, qu'il n'obtient pas. Et c'est Rado qui dégage. Atomic ouais, qui va essayer de contrôler pour lui-même, pas de flip reset, il va devoir jouer le fichier, c'est bien fait. Ouais, le duel est parfaitement remporté par le joueur de G2. Zen qui va essayer d'aller chercher son reset sur le ceiling, la redirection, ballon direction des filets. Oh le turn sur ce ceiling, il aurait pu être intéressant, mais ça n'a rien donné. Alpha 54 qui va essayer de trouver une ouverture sur ce côté droit, duel remporté, frappe de Radosin, c'est sur le backboard, on va réussir à avoir la touche du côté de Bismode. Zen qui la bloque bien, est-ce qu'on est repositionné dans la défense des G2? La réponse est oui, bonne démolition de Radosin, mais Zen s'est fait bump. Ouais, dommage, effectivement c'était bien joué de la part de Rado. Allez Alpha ici, il a encore du boost pour aller jouer le contre, ce sera bloqué par Daniel, on va chercher à contrôler le ballon avec l'aide du mur, mais c'est trop long, c'est Rado qui va lancer Alpha en profondeur, la touche de balle d'Alpha elle est excellente, est-ce qu'il peut continuer? Il était en position de Musty, il s'est fait contrer par Atomic. Radosin en solitaire se fait défendre par Bismode. Ouais, Zen contrôle la balle, on passe devant la cage sereinement, on essaie d'aller prendre le boost, duel remporté par Zen, est-ce qu'on peut effacer un deuxième joueur? La réponse est oui, ballon un petit peu en cloche qui sera représenté par Bismode. Point de corner, trouvé, oui la démolition et Radosin à la finition par transversale rentrante pour l'ouverture du score de Vitality. Alpha qui s'est complètement désintéressé du ballon, il est allé tout droit sur Daniel qui n'y s'y est pas attendu tout simplement. C'était assez surprenant en vrai parce que de base Alpha il est pas si mal placé que ça pour essayer de lire le rebond, mais il n'a pas hésité. Hein. Il est allé tout droit sur le dernier défenseur, Radosin derrière était parfaitement placé, Vitality s'en sort dans un premier match très tendu, c'est compliqué, on voit que G2 et bien là, bien en forme, même s'ils ont perdu ce premier match, c'est quand même eux qui ont plutôt dominé cette rencontre. bah, ils ont en effet eu un petit peu plus de cartes offensives que Vitality dans cette première manche. À mon avis, si on avait la stat de possession, de domination, territoriale, il y en aurait un petit peu plus en faveur de G2. Mais comme on dit, finish dominé n'est pas gagné. Vitality qui arrive à tirer son épingle du jeu dans cette première game avec ce petit but en overtime qui fait la différence. Mais finalement, on voit que les deux équipes sont directement rentrées dans ce championship. Ouais, ça va très vite et ça joue beaucoup au milieu de terrain. Beaucoup de 50 au milieu de terrain. Et attention, parce qu'on l'a vu, hein, mais pendant un bon moment, là, pendant 1 minute 30, les joueurs de G2, ils arrivaient vraiment à prendre quasiment tout le temps de vitesse. Les joueurs de Vita, on sent qu'ils sont très incisifs. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation quand il faut aller sur la balle du côté nord-américain. Mais heureusement, on a tenu très bon dans la défense de Vitality, parce que si G2 a réussi à se montrer entreprenant, ils n'ont mis qu'un petit but. C'était sur une contre-attaque, même une récupération d'Atomic qui a surpris tout le monde. Mais sur le jeu placé, finalement, la défense de Vita a toujours tenu bon, Razor. On était en place dans la défense orange pour l'instant. On n'a pas vu particulièrement d'erreurs de double commit. On a vu quelques backflips sur des ballons, mais ça n'a pas engendré de mauvais positionnement de plusieurs joueurs à la fois. Ça annonce du bon pour la suite du BO. Mais en parlant de ça, on part dans le début de cette game numéro 2. La possibilité pour Vitality de déjà faire le break dans la série, ça nous rappellerait très fortement les scénarios qu'on a vécu hier, où les Européens gagnaient toujours les deux premières games. On va voir si ça va être le cas dans cette première demi-finale. Pour l'instant, on est dans la moitié de terrain de nos Français. Radosin et Zen qui essayent de ne pas se gêner, qui arrivent à plutôt bien le faire, même si le ballon n'est pas très bien dégagé. Rado au milieu de terrain, ça va être repris par Atomic. Attention, il a beaucoup de boost, hein. Il va forcément chercher à y aller tout seul. On cherche un bump, mais Alpha a bien défendu. Ouais, c'est pas mal, hein. Il a réussi à esquiver le bump et en plus à venir chercher un contre derrière. Zen vient subtiliser des ressources. On va laisser Alpha54 tenter de centrer avec le ceiling. Peut-être Alpha tout seul avec la frappe. Oh, ça drop ce ballon pour Zen. Et finalement, Vitality qui vient ouvrir le score. Quel travail de la part d'Alpha54. Il a surpris tout le monde, effectivement. Oh, et finalement, on est, un petit peu lent à sauter côté G2. Il y avait Atomic, il y avait Bismode, mais avec très peu de ressources. Du coup, c'était compliqué d'aller défier Alpha aussi haut dans les airs. Et tu l'as dit, hein, le flic qui lui permet de remporter le duel, ça offre un boulevard à Zen qui a parfaitement suivi son coéquipier. Les champions du monde, à l'image d'hier, semblent très en forme dans ce début de match. Allez, on va essayer de lancer Radosin en plus dans les airs. Est-ce qu'on va avoir cette touche sur le backboard de la part de la défense? Il a fallu, hein, parce que là, Radosin, il était parti pour lâcher sa meilleure double tap. Touche au milieu du terrain de la part d'Alpha. Est-ce qu'on peut faire la différence face à Daniel? Il est un petit peu court. Ballon qui viendra monter tranquillement sur le mur, c'est contré par Zen, ça part dans l'axe, mais la défense de G2 est là. Ah, attention, le rebond là qui est un petit peu éliminé. Radosin, Bismode qui va aller chercher un corner hit, c'est Alpha qui sera le premier, ça reste dangereux, hein. C'est Atomic qui est à la récupération, il essaye d'accélérer mais il est bloqué par Rado sur le backboard. Daniel, il a pas de boost, on le contrôle, il est mauvais, c'est complètement cadré. Bismode sera là pour éviter le pire, il va peut-être même pouvoir retoucher cette balle. Voilà, Zen qui ne veut pas intervenir tout de suite, il va laisser Alpha s'en charger. Très longue relance, on voit Radosin, mais c'est Daniel qui sera le premier. Ah, il la passe un petit peu trop en profondeur pour trouver Radosin. Zen, le bon fake, qui va essayer d'aller trouver une démo pour faire de la place à Alpha54 qui oh, ça touche la barre, est-ce qu'on peut finir Radosin à la finition? Encore une fois, le génie créatif d'Alpha54 pour venir servir Radosin. Quelle composition! Ouais, on a ce petit brin de réussite. Daniel et Atomic qui se gênent, ça fait une passe D pour Rado, mais soulignons l'excellent travail collectif encore une fois. Ça part de Zen qui fait comme Alpha lors de l'overtime avant. Il se désintéresse du ballon, on va gêner les défenseurs. Alpha qui profite super bien de l'espace derrière, il joue magnifiquement le coup. Et Rado qui a follow, le break est pris. Et il reste encore 3 minutes 30 à jouer. Et un petit peu de temps, attention à ce ballon bas d'Atomic qui devrait être trop court. On n'aura pas de joueur de Vitality quand même, on est là pour du côté de Radosin pour venir un petit peu faire le ménage et essayer de gêner la contre-attaque de l'adversaire. On se repositionne du côté de Zen. Contrôle tranquille depuis son backboard et il repart tout le terrain. Malheureusement, le ballon est dans les roues d'Atomic. Ouais, assez étonnant, hein, de voir Atomic se débarrasser comme ça du ballon, même s'il arrive à trouver une frappe cadrée derrière. On était là, hein, dans la défense de Vitality. Radosin a le boost nécessaire pour assurer une belle passe de l'autre côté à Zen. Zen, ouais, qui arrive à éliminer un premier joueur mais qui va se faire démolir derrière. L'accélération d'Atomic sera bloquée par Radosin. Il essaye d'y retourner, le joueur de Vita, il sera trop court. Et attention à Daniel, on va lancer Bismode de l'autre côté. Alpha est court lui aussi, mais ça trompe tout le monde et c'est Zen qui peut s'emparer du ballon. Ouais, il a pas mal de boost dans les airs, il a un petit peu de challenge, mais le flip reset qui va lui permettre de passer le premier joueur. Derrière Radosin, il a essayé de centrer, peut-être accélérer sur le mur, on essaye de fake la défense. Mais les joueurs de G2 ne sont pas nés de la dernière pluie. Allez, du côté de Zen, poussé dans le point de corner, le ballon qui va monter un petit peu avec cette gouttière inférieure. On essaie d'aller bump le défenseur backboard, mais Atomic arrive à dégager. Ouais, Atomic qui va laisser la suite à Bismode. Il y a Rado qui est là pour prendre le challenge, mais c'est Daniel qui peut en profiter. Beaucoup d'espace pour lui, par beaucoup de boost. C'est Alpha qui le stoppe au milieu. Bismode, très long clear. Daniel ne peut pas jouer cette balle, hein. C'est Zen qui est le premier au milieu. La première touche est excellente. Il va essayer d'accélérer, trouver un bump, mais il ne pourra pas gêner Atomic. Rado en solitaire, en au-dessus de Daniel. Il a été bump, ça fait une jolie passe, mais on la touche dans la défense de G2. Ouais, on arrive à écarter le danger. On se sort d'une bonne phase de pression là du côté de G2. Elle n'a pas l'air terminée avec cette touche de Zen, ça va. On arrive dans la moitié de terrain adverse avec ce dégagement de Bismode. Radosin qui part pour une conduite de balle solo, il viendra se heurter à l'octane d'Atomic. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, le fake qui a été tenté. Alpha54 qui n'est pas allé, il a encore son flic. Attention, la défense qui est mis à rude épreuve là, juste sous la barre transversale. le ballon au milieu du terrain et on se repositionne du côté de Vitality. J'allais dire bon cœur, mais c'est finalement Radosin qui la met dans la moitié de terrain. Ouais, par contre, on a vraiment le scénario inverse du match précédent. Hein. C'est clairement Vitality qui domine les débats, il n'y a rien à dire. On investit encore et encore le camp des G2 qui, pour l'instant, ne trouve pas de solution, ne se montre pas dangereux. Peut-être ici, Daniel s'est touché par Zen, il l'a bien anticipé. Hein, mais Zen, la défense est assurée, pas de boost pour lui, ça va être repris par Bismode. Pas de ressources non plus pour le joueur de G2. Alpha à la relance, Daniel au milieu de terrain, le contrôle est mauvais. C'est Zen qui va tenter sa chance de loin, mais c'est tranquille. Ouais, Daniel est obligé de consommer des ressources pour venir défendre ce backboard. D'ailleurs, Alpha 54 qui la met dans l'axe. On voit Radosin qui a sauté. Est-ce qu'il pourra venir retrouver la touche? Mais non, il n'a pas besoin de trouver le contact avec la balle. Il a juste besoin de toucher la voiture de l'adversaire et ça a été parfaitement fait. Attention à Daniel, peut-être pour une intrusion au premier poteau, c'est défendu. Est-ce qu'on peut prolonger du côté de Radosin? Super reverse direct pour la mettre dans la moitié de terrain des G2. Ouais, c'est bien, ça permet de gagner quelques mètres sur le terrain, c'est important. Attention, duel remporté ici par Daniel. Rado qui ne peut pas aller jouer ce ballon. C'est Bismode qui s'en empare, qui essaye de trouver Atomic dans l'axe. Il y avait un peu d'espace, Zen est venu couper tout ça. Daniel la frappe, c'est nul. C'est Radosin qui peut dégager tranquillement. Zen, pas de ressources, qui a pris le boost, mais c'est Bismode du coup qui a le ballon. Rado, ouais, qui va essayer de lancer Zen, c'est très dangereux dans l'axe. C'est Atomic qui est le premier, c'est cadré. Alpha va éviter le bumper sur la défense. Ouais, on s'en sort in extremis du côté de Vitality. Backflip, le ballon qui n'est pas rentré. Et finalement, ça finit au fond à 36 secondes de la fin. Daniel qui vient enfoncer le clou après ce bon travail, cette quasi-parade sur le poteau derrière le contre. Sur sa trajectoire descendante, réduction du score de la part de G2. Ouais, sa frappe d'avant, je suis désolé, elle est vraiment nulle. En vrai, il a une position de fou, elle est molle, il l'envoie en plein sur Alpha, mais il s'est parfaitement rattrapé Daniel et ça, attention, parce que ça nous relance complètement le suspense pour ces 30 dernières secondes. Razor avec Daniel, le long du mur gauche, démolition de Bismode, mais c'est Alpha qui repart avec la balle, il a toujours son flic, il n'arrivera pas à trouver une passe, c'est repris par Bismode. Allez, Zen qui essaye de bloquer, on est toujours dans la moitié de terrain de G2. Radosin qui vient prendre un superbe duel, est-ce qu'on peut continuer du côté d'Alpha? Pas de flip reset pour Radosin. Alors qu'Alpha 54 essaye d'esquiver les démos, hein. Il voit qu'il se fait chasser en position de dernier défenseur. Dernière seconde, on est devant le but de Vitality, le CC de la part du défenseur dans l'axe. Ça permet à Daniel de venir chercher le 2 partout à 8 secondes de la fin. Il est en train de sauver les bums, Daniel. Malheureusement, on lui laisse un peu trop d'espace. Et là, c'est magnifiquement joué, Radosin. En vrai, il n'y peut pas grand-chose là-dessus. Après, j'ai envie de dire, c'est un own goal de Radosin. On connaît ce genre de situation, il est assez coutumier du fait, généralement, quand Radosin on goal, c'est que ça va bien côté Vita. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant avec ce kick-off, on devrait partir en overtime pour cette game numéro 2, ballon backboard. La lecture du défenseur touche de Zen sur Bismode. Et malheureusement Alpha qui passe à côté de la balle et c'est tout droit pour Atomic. Le buzzer beater qui vient donner l'égalisation à G2 dans le BO. On ne peut pas rater ce genre de lecture en demi-finale d'un major. Forcément que tu te fais sanctionner derrière. Ils étaient là, les joueurs de G2, et cette lecture pour Alpha 54, elle est facile normalement. Quand t'es installé tranquillement au Stade de France, là où t'as l'habitude, il n'y a pas de problème. Quand t'es en LAN, avec du public, que tu viens de te faire rejoindre sur la fin de match, forcément, les conditions, la pression, c'est différent. Et malheureusement Alpha, il a peut-être un petit peu trop pris son temps et il était peut-être un petit peu trop à l'aise sur ce coup là, il est passé à côté et ça fait mal, une game que Vitality avait dans les mains pourtant. Razor 2-0, c'était tranquille, il dominait complètement les débats et dans la dernière minute on s'est écroulé. Visiblement j'ai l'impression que dans cette rencontre finish il vaut mieux ne pas dominer parce que l'équipe qui domine perd la manche à chaque fois. Du coup scénario j'allais dire, je trouve pas le mot, contre nature, entre guillemets, l'équipe qui domine n'arrive pas à gagner les games. On a vu Daniel, libérateur hein, pour les G2 dans cette rencontre. Et cette lecture un petit peu manquée de la part d'Alpha 54 sur la fin qui vient donner l'égalisation à G2. Rien n'est joué, BO7, 1 partout entre les deux équipes. Effectivement, on n'a donc plus le scénario comme hier hein, des équipes européennes qui prennent les 2 premières manches dans les quarts de finale. Là, en demi-finale, G2 qui vient directement égaliser. Pourtant, on aurait dû l'avoir, ce scénario en vrai. Normalement, jamais. En fait, le problème, c'est que là, si tu perds cette série, c'est ce match en fait. Ce match potentiellement va changer la suite de ce qui arrive dans le BO parce qu'on devait avoir un Vita en 2-0. On se retrouve avec un 1 partout et un match numéro 3 où tu dois complètement te relancer parce qu'avec la dernière minute qu'ils viennent de vivre, mentalement, on l'a vu sur la tête des joueurs à la fin du match, ils ont pris un gros coup. Quelle défense de la part d'Alpha qui se rattrape très bien. Ouais, superbe parade du côté d'Alpha cette fois, la lecture de Bad n'est pas ratée. Et Radosin qui va essayer d'aller chercher le fake, pas de ressources dans la moitié de terrain des G2. On ne part pas sur le feeling. Alpha 54 qui n'avait pas énormément de ressources. Très bon dégagement de la part de Daniel. Balance sur le backboard. Radosin qui essaie de repartir. Superbe fake pour venir chercher meilleur sur la défense. Derrière, le duel est parfait. Est-ce qu'on peut continuer du côté d'Alpha? Je crois qu'il a eu une reset. Oh, il va utiliser son flic. Malheureusement, pas de contact avec le ballon. Allez, Zen qui va essayer de temporiser, jouer un duel, mais c'est Atomic hein, qui a surgi. Radosin le contrôle est bon. Le weightage derrière, il va se faire contrer à son tour. Ça repart dans la moitié de terrain. Des Vitality, Zen et plein de ressources. Il peut tranquillement s'emparer du ballon sur le backboard. Bismode qui vient à sa rencontre. Ça retombe dans les roues de Daniel qui frappe directement. Radosin sera là. Ça reste dangereux. Il y a Atomic. Le tir est en plein milieu, heureusement. Alpha54 qui peut venir chercher une nouvelle parade salvatrice pour les Vitality. On essaye de relancer avec ce ballon dans l'axe. Ok, le contre est intéressant. Est-ce qu'on peut accélérer du côté de Zen? Le fake, sûrement. La position de contre, qu'est-ce que c'est bien négocié du côté de Daniel. Ah, il l'a vu venir, Daniel, effectivement. Les Zen, le turn ici qui va aller se présenter encore une fois face aux joueurs des G2. Radosin, ouais, qui va pouvoir enchaîner. Bismode qui s'est complètement troué. Radosin qui va avoir un petit peu d'espace devant lui. On voit Atomic qui se fait chasser par Zen, mais il a tenu bon. Il y a eu deux démos de Daniel pour libérer de l'espace pour ses coéquipiers. Zen solo qui se bat, qui va tenter d'y aller tout seul, mais qui se fait contrer. Oh, ça met un bon ballon sur Radosin. Malheureusement, il a un petit peu trop avancé. Le ballon qui finit dans son dos, il peut y retourner après s'être emparé du boost. Pas de connexion avec le coéquipier, on a décidé de turn. Ballon sur le backboard, très belle défense de la part de Daniel qui en plus arrive à la face des ailes derrière. Ouh, le ballon qui aurait pu être cadré, heureusement pour la défense orange qui ne l'était pas. Allez, attention à la reprise de Bismode au milieu, Radosin qui se fait éliminer, il y a Atomic au sol, le tir va rentrer avec l'aide de la barre transversale, c'est bien joué du côté de G2. Bismode ici, le turn est excellent, l'accélération, on voit Radosin qui essaye, hein, mais il est court, c'est pareil, il était un petit peu trop loin. Et G2, quand ça accélère fort. Hein. En effet, petit changement de rythme qui paye pour G2, ouverture du score à 3 minutes 12 de la fin. Un kick-off, fini, les roues de Radosin, là dans le point de corner des Vitality. Il essaye de venir chercher un reset pour un contre, attention, Atomic qui vient chercher le meilleur, on essaye de dunk. On peut venir trouver, on aura la démolition de consolation du côté de Zen, derrière Alpha54 qui en trouve une aussi sur Bismode. À ce ballon qui flotte, Daniel qui essaye de frapper, c'est écarté par Radosin. Alpha qui va essayer de relancer, mais ça va être rendu ça au joueur de G2, quoique Rado finalement qui est le premier, il a encore un petit peu de boost, Bismode va se faire bump, Zen ouais, qui décide de défendre depuis le ceiling, mais il va se faire éliminer par Bismode, il ne peut pas toucher ce ballon, mais attention Alpha, il est tout seul, Atomic qui essaye d'en profiter, Alpha au niveau de la barre fait la parade derrière, la frappe de Daniel est cadrée, mais on est là du côté de Radosin. Attention, c'est pas terminé, Bismode qui cherche le reset, il l'a obtenu, c'est la barre qui est trouvée et Atomic ne peut pas frapper. On commence à prendre la foudre devant la cage de Vitality, mais la défense qui tient bon, Atomic qui arrive à passer un premier reset, est-ce qu'on aura une double tap? C'est Daniel qui met un très bon ballon pour Bismode, chandelle dans la surface de réparation, Radosin qui touche, ça devrait finir au fond, Atomic pour le deuxième but de G2. On n'avait plus de boost malheureusement dans la défense de Vita, hein. C'était compliqué. On voit Rado et Zen qui sont allés sur le backboard, Zen du coup qui a voulu redescendre pour éviter de se gêner, mais Radosin qui perd son challenge hein, face à Bismode, et derrière le ballon qui flotte, ça profite à l'attaquant qui arrive lancé, qui a de la ressource, le break qui est pris. Mais jusqu'à maintenant, l'équipe qui a dominé dans les matchs a perdu. Razor, très bien joué de la part de Radosin, quel sang-froid. Ah, la marche arrière là pour venir esquiver et parfaitement négocier cette position de 1v2. Radosin qui essaie d'accélérer, il n'a pas de boost, le duel est intéressant comme le ballon est toujours dans la moitié de terrain des G2. Bismode, allez Zen, la démolition, est-ce qu'on peut accélérer sur le ceiling? C'est parfaitement bloqué. Allez Daniel pour aller reprendre cette balle, il a encore du boost, il y a Alpha dans les airs qui va venir le stopper. Rado pour le turn, le ballon qui retombe sur lui, il a beaucoup de ressources aussi. Bismode qui avait près de jump se fait complètement effacer, derrière Radosin intelligemment qui arrive à éliminer Atomic qui va chercher un bump mais il ne le trouvera pas. Très long, relance de Bismode sur Alpha. Sur le backboard, Alpha54 qui essaie de décoller, fake. Ne pas rendre ce ballon à la défense adverse. Alpha54 peut-être avec un prise d'accélération. Oh, c'est sorti une extrémiste le poteau. Allez Daniel qui temporise dans le corner, Atomic qui va affronter Radosin qui arrive à l'éliminer derrière, il peut poursuivre, il va continuer son effort le long du mur, ce sera finalement remis sur Alpha54, au duel face à Bismode, en deux temps, Zen qui contrôle, qui essaye de repartir proprement, il est accompagné, il a été bum, ça pousse le ballon et c'est tranquille pour Daniel, attention à Atomic qui va prendre Radosin de vitesse, ou Atomic qui va chercher son reset sur le ceiling, est-ce qu'il peut pincher? Heureusement que le 4 n'est pas trouvé, sinon on avait peut-être le plus beau but du tournoi avec celui d'Ato. C'était vraiment pas loin, en effet, la réponse avec ça. Une contre-attaque peut-être de Vitality, Zen pour le bump, on arrive à toucher du côté d'Atomic, la frappe n'est pas cadrée et attention on s'est livré du côté de Vitality, Daniel qui va avoir le temps d'ajuster, quoique on a le très bon retour défensif de Zen et quel clear derrière. Ouais, on essaye de prendre des risques hein, offensivement parlant du côté de Vitality, il faut marquer un but, il faut relancer le suspense, allez Alpha en deux temps, il nous l'a déjà mise. Cette fois-ci ce n'est pas lui qui a la finition, c'est Radosin qui a parfaitement suivi et on se retrouve Razor dans le scénario inverse du match précédent, 45 secondes pour aller chercher au moins un but côté Vita. À chaque fois on a un Radosin à la finition quand même hein. Il a la petite casquette de finisseur aujourd'hui, du moins pour l'instant, dans cette confrontation avec G2. Radosin qui va essayer d'y aller face à Bismode, le duel est très largement remporté par le Nord-Américain. Bon dégagement de Zen, bloqué par Daniel. Alpha54 très rapide sur ce ballon. Est-ce qu'il peut la retoucher? Après ce rebond sur le ceiling, la réponse est oui. Il essaie d'accélérer, mais dans le point de corner, ballon neutralisé. Est-ce qu'on a des impulsifs du côté de Vita? Radosin un peu loin, ce sera Zen derrière. Allez Zen, il a le réservoir rempli. Il remporte son duel face à Atomic, mais Daniel derrière qui peut remettre le ballon dans la moitié de terrain des Vita. Alpha, l'accélération, le long du mur. Il a encore un petit peu de boost. Il a Bismode devant lui. Il a Atomic qui l'attend au sol. Il décide de prendre son temps finalement. Alpha pour Radosin, le pré-jump de Radosin. Oh, c'est sur le poteau Zen derrière qui croit. Et ça passe. Le tir est parfait de la part de Zen. 10 secondes à jouer, 2 partout. Cette série est complètement folle. Le pré-jump de Radosin. Incroyable. Alpha54, il n'a pas trop respecté Rado sur la passe. Il lui a mis un peu loin quand même devant. Ah, c'est dur. Mais après, pour Vitality, ça passe à 10 secondes de la fin. On recolle à 2 partout. Est-ce qu'on peut capitaliser sur ce kick-off avec le ballon pour Radosin? Peut-être un pinch au sol, c'est contrôlé par Daniel. Duel parfaitement négocié par Alpha, le bump est intéressant. Zen qui n'a pas de ressources, on va essayer d'orienter ce ballon en direction du sol pour un troisième, non pas pour un troisième overtime, deuxième. On a failli avoir un troisième overtime effectivement, pas de but à 0 secondes cette fois-ci non plus. Et attention à Daniel dans les airs peut-être pour la première cartouche, ça va retomber devant le but. Radosin pardon, qui tient bon, qui va aller se présenter face à Atomic, pas beaucoup de ressources, un peu d'espace devant lui, c'est Zen qui est lancé mais les deux joueurs se sont fait démolir. Attention du coup, on est un petit peu moins dans la moitié de terrain des Vitality cette fois, quoique la défense du coup est réapparue, ballon qui va flotter juste devant la cage, remise sur le backward, ça devrait être sans difficulté. Pour Alpha54, on essaie de repartir, on voit la touche qui devrait servir Zen, sauf pour la mettre devant la cage des G2, bloqué par Atomic, le duel est remporté. Ouais, attention Alpha, il était loin, Bismode il va avoir de l'espace, pas beaucoup de boost, il essaie de drop ce ballon pour un coéquipier, mais Atomic était parti chercher la ressource. Alpha l'accélération, il est trop court face à Daniel, l'enchaînement est excellent et on part dans le corner opposé, Bismode qui va essayer de la mettre sur le backboard, Zen est là pour défendre, attention à ne pas gêner avec Radosin, c'est bien fait dans la défense de Vita. Zen ouais, qui s'efface, c'est Alpha qui va essayer de relancer, qui va se présenter face à Daniel, le duel est remporté mais Bismode couvre. Il a essayé d'avoir le wave dash après la prise de reset sur son 50 mais il a raté, heureusement que Zen esquive le bump parce que c'était le dernier défenseur. On essaye de garder des ressources, essayer d'accélérer, le bump est trouvé, dégagement de la part de Daniel, c'est sur le backboard. On a Radosin qui la contrôle pour repartir dans les airs, il arrive à effacer un premier défenseur. Est-ce qu'on peut continuer derrière? Duel remporté, il ne reste plus qu'un seul défenseur, Atomic qui arrive à contrer. Dommage, ça a failli fonctionner parce que Alpha était très bien masqué hein, derrière ses deux coéquipiers. Allez Daniel qui va faire le turn ici, Zen est éliminé, le duel derrière est à l'avantage d'Alpha54 face à Bismode. Ouais, Atomic qui va devoir couvrir mais il se fait démolir par Radosin. Daniel il n'a pas assez de boost pour aller au bout, il est obligé de tenter sa chance, ce sera tranquille pour Zen. Il y a eu 2 démos de Rado, un petit peu d'espace devant, finalement c'est Atomic qui vient stopper le jeune prodige français. Alpha54, la touche est excellente, Zen qui sera trop court, c'est Bismode le premier. Allez, ballon dans la moitié de terrain des Vitality, Radosin qui essaie d'écarter sur Alpha54, on n'avait pas énormément de ressources du côté de Radosin. Il va pouvoir aller prendre le boost dans le corner, Zen qui attend la touche de Bismode, ça viendra centrer avec le point de corner, touchant de temps intéressante sur le backboard. On a réussi à prendre le meilleur du côté de Daniel, tentative de bump sur le défenseur, mais quelle parade Alpha54 depuis le backboard. Ah, c'est pas terminé, Bismode qui va essayer d'en remettre une couche, oh, un joueur est éliminé, ce n'est pas cadré derrière, Daniel ne peut pas cadrer dans un temps, il cherche encore une fois le backboard, c'est Alpha qui peut intervenir, mais les réserves de boost sont très basses côté Vitality, excellent duel de la part d'Alpha, ça permet de gagner de précieuses secondes et d'aller chercher du boost. Daniel avec le reset qui va essayer de trouver un coéquipier, c'est Bismode qui ne trouve pas le 4, Zen est là sur le backboard. Allez, est-ce qu'on attend d'y retourner du côté de Zen? Atomic qui respecte un petit peu et qui proxy avec la balle, remise sur Bismode dans l'axe, il va falloir défendre cette opportunité sur le ceiling. Oh, les tirs sur tout et la frappe juste sous la barre du côté d'Atomic, G2 qui vient remporter son second overtime. Ouais, on a été un peu passif là sur Bismode et du coup j'ai l'impression que Zen ici personne n'y va. Finalement c'est lui qui intervient alors qu'il n'est pas vraiment dans la position pour. Ça fait cet arrêt un peu bizarre avec l'aide de la barre qui se transforme en passe décisive pour Atomic, forcément à bout portant. Il envoie un giga banger dans la lucarne. Les G2 prennent le lead dans cette série 2-1. Temps mort ? Je sais pas, parce qu'en vrai là on est dans le cas de figure où G2 a dominé dans cette manche et a finalement réussi à s'imposer, certes à l'issue d'un overtime, mais cette fois on a le cas de figure théorique qui est respecté dans cette manche. On a quand même énormément de saves du côté de Vitality. Il y a 19 tirs pour G2. Ouais, 19 tirs pour G2, 11 saves pour Vita. Voilà, il y a clairement eu la domination de G2, sauf dans la dernière minute où Vita est revenu. G2 a tremblé, mais finalement les Nord-Américains qui ont réussi à marquer en overtime. Un overtime où, eh ben, en vrai, on n'avait pas envie de donner ce but. Ça s'est changé quand même beaucoup des longs ballons dans cet overtime. On avait du mal à construire du jeu, à avoir des occasions jusqu'à ce travail du côté de G2 et la finition d'Atomic. Là on revoit le but de Zen qui est venu égaliser à 10 secondes de la fin. C'est dur, il est dur ce match, on savait que ça allait être très compliqué. Le premier affrontement entre Zen et Daniel, c'était très attendu. Pour l'instant, on n'est pas du tout déçu et on est forcé au temps mort du côté de Fairy Peak. Assez logique en vrai, ils ont quand même perdu les deux dernières manches, même si à chaque fois c'est serré, surtout cette deuxième manche, elle a quand même mis un petit coup au moral. Ils se sont quand même très bien repris, mais tu vois, tu sens que dès le début du match, ils sont quand même tout de suite fait dominer et peut-être que cette dernière minute de la Game 2 y était pour beaucoup. Les mots vont devoir être trouvés par Fairy Peak pour essayer de rebondir à une moitié théorique de ce BO avec les deux premières, avec les deux games marquées par G2. Je rappelle, une place est à aller chercher. Hein. En finale, on est dans la demi, une place dans le top 2 de ce Major de Copenhague. Et évidemment des points pour les Worlds en plus du cash. Bien sûr, bien évidemment. On rappelle, c'est $75 000 pour le vainqueur, effectivement. Un petit peu moins que la saison précédente. Mais comme tu l'as rappelé, il y a surtout un trou à faire au niveau du classement. Parce que déjà, Vitality, avec cette demi-finale, ils vont repasser devant BDS en termes de seeding. Ouais. Puisque les points du Major sont doublés. Ce qui signifie que BDS en prend 12. Là où Vitality, pour l'instant, en prend au moins 18, peut-être plus en cas de finale. Et encore plus, bien sûr, en cas de victoire. Hein. La victoire, c'est 32 points. On le rappelle, 32 points, c'est l'équivalent premier split de 2 Open Qualifier remportés, donc c'est énormément de points à aller chercher. On va voir si les mots de Fairy Peak ont eu un impact, si le temps mort a été bénéfique côté Vitality. On attend une réaction. On va peut-être avoir un kick-off goal, on sera là pour écarter du côté Zen. Attention à ce qui ne va pas très bien dans la moitié de terrain des G2 parce que Bismode vient chercher un contre intéressant, c'est pas mal. Ballon qui centre avec le corner, on sera présent du côté de Daniel pour intervenir. Allez, Radosin qui va temporiser dans le corner, mais attention, c'est Daniel qui est le premier sur ce ballon. Zen, ouais, qui se fait contrer par Bismode parce que Atomic sera là, bien évidemment. Il essaye de contrôler, ce sera trop long. Alpha peut dégager. Daniel au milieu à la reprise, la première touche est bonne, derrière il accélère pour aller se présenter face à Zen. C'est Radosin qui doit intervenir. Au premier poteau, on laisse le joueur dans le bon sens de rotation y aller. Il a du boost encore. Du côté de Vitality, Radosin qui a une ville prise à être, le contre est intéressant, ça drop pour le coéquipier Zen qui ne sera pas premier. Bismode qui a fait la différence, ouais, bon fake qui aurait pu donner quelque chose d'intéressant pour G2 et la défense orange était là. Ouais, Alpha qui était tout seul mais finalement il a été bien épaulé hein, par le retour de ses coéquipiers. Alpha 54, le travail en solitaire stoppé par Zen devant le but des G2. Bismode depuis le backboard, ouais, on essaie de prendre son temps pour relancer, il y a Zen qui va venir le contrer. Daniel dans une position délicate qui va se faire démolir bien évidemment. Alpha 54 derrière pour essayer d'accélérer man game, finalement trouver une passe vers Radosin, on cherche une démo mais on tient bon côté Atomic. La frappe de Zen malheureusement n'est pas cadrée, de toute façon Daniel était là. Ouais, très bon squishy save de la part de Daniel pour venir sauver cette frappe de Zen. Derrière Bismode, est-ce qu'on peut remettre ce ballon dans l'axe? Atomic qui est resté positionné sur le côté. Contrôle orienté de la part d'Alpha, double saut pour partir dans les airs. On arrive à faire avec le premier, mais derrière le défenseur se fait pas avoir. Allez, Zen qui va essayer d'y retourner, il a encore de la ressource, il arrive à éliminer un premier joueur, pas de boost derrière pour aller la retoucher. Atomic, Bismode pardon, qui a pu éliminer Radosin. Il a beaucoup de boost, il essaie de temporiser au maximum. Alpha a évité le bump, Bismode est toujours là, sans ressources. Attention Alpha, c'est pas très bien dégagé tout ça. Ouais, Radosin qui est venu porter un petit peu de soutien à son coéquipier. La relance d'Atomic, c'est complètement cadré, mais Alpha est là. Ouais, petite communication du côté de Vitality pour dire qu'on ne pouvait pas toucher cette balle. Zen qui a une belle opportunité de connecter avec Rado, le jeu en triangle, la frappe de Zen qui est juste au-dessus du cadre, mais on a eu un arrêt du côté de Bismode sur cette intervention quand même à noter. Est-ce qu'Alpha 54 peut venir passer? Ballon dans les airs, dans la moitié de terrain des G2, Atomic la touche. Est-ce que Zen va essayer d'aller chercher la passe? C'est finalement une opportunité aérienne qui est tentée, mais tout de suite refusée. Ah, et attention derrière à Daniel, il a plus de boost. Finalement, oh. Alpha qui est passé à côté de ce ballon sans conséquence. Hein. Radosin sera le premier, par contre là, il s'est manqué. Zen sera là, encore une fois en défense, mais on ne progresse pas du coup sur le terrain côté Vita. Très belle esquive de la démolition de Zen qui peut repartir. Il a encore du boost, un petit peu trop poussé, on s'est gêné. Entre Daniel et Bismode, finalement, ça fait une passe pour Atomic. Ouais, il a un petit peu de ressources, Atomic. Le duel est intéressant face à Radosin. Zen de l'autre côté, le pinch, ah, ce sera le joueur de G2 qui va faire la différence. Heureusement que la défense backboard est assurée. On va repartir avec le ballon dans les routes du côté de Vitality, mais le boost de Radosin n'est pas très haut, surtout qu'il n'a pas eu celui dans le corner, il faut se repositionner maintenant. Allez, Atomic qui est tranquille là sur le backboard, Zen qui a rien attendu, ne repiquera pas dans l'axe puisqu'il s'est fait bump, et c'est Daniel qui écarte le danger. Alpha, ouais, face à Daniel, milieu de terrain, c'est à l'avantage du joueur de G2, par contre Radosin a un boulevard, il va laisser Zen s'emparer du ballon. Deux joueurs dans les airs, côté bleu, Zen est démoli, Bismode récupère, ça tombe sur Alpha, le drop vers Radosin, il a un petit peu d'espace, le tir est ajusté, mais Bismode était là. Ouais, heureusement qu'il vient seconder son coéquipier Bismode, bonne démolition trouvée par Atomic. Le Banger en plus qui offre énormément d'espace à G2. duel remporté par Zen. On est premier du côté d'Atomic. Qu'est-ce qu'il va falloir défendre ce ballon? C'est Radosin qui vient bloquer la lucarne. Bismode qui la met sur le backboard. Oh, la lecture elle est dure, mais quelle vision de Zen! Elle est magnifique cette lecture de la part de Zen. En plus, il a pu remporter le duel derrière, mais c'est pas terminé. Il faut défendre encore côté Vita. Allez, c'est Alpha qui s'en charge. La relance au milieu de terrain. Ce sera bloqué par Daniel. Est-ce qu'il y a un joueur bleu dans les airs? C'est Bismode. Zen est éliminé. Radosin est là sur le backboard. Normalement, la défense est assurée, même si la relance est contrée. Zen, c'est très long. Ce sera directement sur Daniel encore une fois. Allez, Daniel avec un fake, c'est finalement pour le coéquipier. Oh, le squishy save de Zen qui vient sauver les Vitality de l'ouverture du score des G2. Est-ce qu'on peut continuer à défendre? Petit double commit ici, mais le dégagement est suffisamment puissant pour avoir de l'espace. Est-ce qu'Atomic peut venir chercher la lecture? On essaie de pitch, c'est bloqué par Alpha 54. On se fait de plus en plus pressant sur la cage des Vitality côté G2 et attention, il va ne pas falloir craquer. Il faut tenir, pour l'instant ils le font bien. Nos joueurs français, attention à Daniel, la passe vers Bismode, la redirect, il a réussi à éliminer Radosin. Derrière c'est Atomic qui essaie de trouver une lecture, une passe en retrait vers Daniel, c'est complètement raté. Alpha qui s'est fait bum, du coup malheureusement il va perdre de la vitesse, il arrive quand même à contrer Daniel. Radosin dans les airs, il est obligé d'y aller en solitaire, on va aller chercher un duel au sol face à Bismode, mais c'est à l'avantage du joueur G2. Que Zen peut faire la différence sur cette opportunité. Le contrôle est superbe, il faut rediriger cette balle en direction des filets. Et la défense de G2 était bien positionnée. Alpha 54 depuis le ceiling, le ballon qui va finir sa course de l'autre côté du terrain, dans les roues de Zen, qui va partir dans les airs. On essaie de faire que la défense va avoir d'accélération avec le flic. C'est bloqué par Daniel, bien positionné. Est-ce que Radosin peut faire quelque chose? Ah, en marche arrière, ça tente le flic, mais ça passe pas. Ah, c'est compliqué effectivement. Attention, le finish d'Atomic pour dégager. Zen, heureusement, est très bas sur le terrain. Ah, il pourra pas y aller en solitaire. Hein. Il a vu qu'il y avait du monde. Côté G2 dans les airs, Alpha qui tente là encore de passer, qui se fait contrer. Radosin, là cette up est manquée, ça va être défendu par Daniel et Zen, il faut se replier, il va falloir intervenir ici devant Daniel qui va lui mettre de la pression, le bum est évité, Atomic qui va fake et du coup Zen qui peut repartir avec le ballon. Ah, c'est un petit peu long, Bismode qui va la toucher, Alpha dans les airs qui a pré-jump parfaite, anticipation de la part du capitaine de Vita, attention à ce ballon qui va flotter dans la surface de Vitality, Zen l'amène au sol, c'est un nouvel overtime. Troisième overtime sur 4 manches dans cette confrontation face au G2, c'est dire comment les games sont serrés. On essaie d'accélérer juste après kick-off, mais quel dégagement de la part de Daniel. Ah, il a voulu frapper directement Zen, essayer de surprendre la défense de G2. Atomic à la relance, il a encore beaucoup de boost, Alpha est éliminé, il arrive à trouver Bismode le long du mur, Zen est éliminé, Radosin sera là en défense, pas de souci. Daniel qui n'a pas pu y aller directement, qui doit concéder du terrain, on va repartir sur le backboard. Alpha sur le mur, qui sera là pour gêner Bismode, qui trouve un bum, Zen derrière perd son duel face à Atomic. Ouais, Radosin qui doit intervenir sur cette balle, heureusement que le boost à pop, derrière le service dans l'axe, c'est pas mal au premier poteau. Heureusement que la frappe de Bismode n'est pas cadrée, le duel entre Zen et Daniel est plutôt favorable à Vitality. On essaye de se relancer, mais Atomic qui envoie un banger dans la moitié de terrain orange. Zen qui vient la laisser intelligemment à Radosin. C'est une nouvelle fois un boomer qui est envoyé, Bismode qui la bloque, il a eu le reset sur le ceiling, il peut continuer, attention. Alors, on a double commit du côté Vitality, ça va ouvrir un petit peu d'espace à Daniel, on voit Zen qui est sur le backboard, qui l'attend, Daniel qui essaie d'ajuster, second poteau, ce sera défendu par Zen. Atomic en retrait vers Bismode, intelligemment, on essaye de conserver la possession du ballon. C'est bien fait ça de la part d'Atomic, de Bismode, pardon, ça a été suivi derrière par Atomic. Dans le corner, une nouvelle touche, un bump à venir, deux bumps même, Zen, Radosin, pardon, c'est renvoyé dans l'axe directement sur Daniel et la team Vitality concède ce nouvel overtime. Troisième game de suite remporté par les G2 qui sortent 3 balles de match. Ah, Zen qui s'est fait bump et la frappe de Daniel, elle est parfaite pour venir battre Alpha 54 sur la ligne en défense. G2 qui vient chercher le troisième point dans ce BO. 2 overtime remportés par G2 dans cette confrontation. Les Vitality qui ne semblent plus avoir de solution pour passer face à cette défense. Ah, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu G2 aussi bien jouer depuis le début de la saison. Hein. Pour être tout à fait honnête, ça joue vraiment très bien. Du côté de l'équipe nord-américaine, c'est très solide. Hein. Les 3 joueurs, ils se comprennent bien, ils se gênent pas trop, ils prennent beaucoup d'espace, les accélérations, elles sont bonnes. Et encore une fois, la game là, elle est clairement pour eux. Dans la pression, dans la domination territoriale, c'est eux qui se montrent le plus dangereux. Tu l'as dit, Vita, ils sont vraiment bien bloqués en attaque. C'est compliqué de réussir à trouver des espaces. Au début, on y arrivait avec des démolitions. Là, on voit, il y a 5 démolitions côté G2, 4 côté Vitality, mais pas des démolitions qui permettent malheureusement d'amener des buts. Ouais, on essaye de rendre un petit peu la monnaie de la pièce à l'adversaire en essayant de trouver des timings, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas du côté des Vitality. On subit, on est toujours dans la réponse. C'est clairement les G2 qui sont proactifs dans cette confrontation pour l'instant, hormis dans la game numéro 1 et j'ai envie de dire dans la game numéro 2 jusqu'à l'égalisation de G2. Et bien depuis ce temps-là, les Vitality qui peinent à venir trouver le fond des filets des G2 et malheureusement pour eux là ils sont dos au mur, il va falloir quasiment river sweep cette équipe. Ouais, cette game 2 elle a fait mal, regrettable cette game 2 vraiment, turning point de la rencontre. La série serait tellement différente s'il n'y avait pas eu ce scénario terrible de prendre 3 buts dont un sur le buzzer. Ça a complètement lancé les G2, depuis ils ne font que gagner. Vitality est dos au mur, Razor. Ils sont menés 3-1 pour rejoindre la finale, pour rejoindre Karmine Corp, pour Gentlemates. Ils n'ont plus le droit à la défaite. On est parti avec Alpha 54 pour première opportunité défendue. Zen contrôle, est-ce qu'il peut passer face à la défense? C'est un 0-100 pour Zen. Regardez la qualité de la première touche de Zen qui amortit complètement ce ballon et derrière la position, elle est parfaite, ils sont deux côté G2, mais c'est Zen qui s'impose dans ce duel, 13 secondes et ce but vient rassurer tout le monde. Et en espérant qu'il va continuer à relancer les Vitality, kick-off très aérien, on essaye de fake, la frappe de Bismode, ce sera pas au fond, on a eu la parade de Zen. Du côté de Radosin, touche de Bismode qui essaie de maximiser la possession de balle, accélération avec un flic, position de contre, c'est parfaitement négocié par Alpha54. Attention à l'accélération d'Atomic, démolition, Zen derrière qui heureusement va éviter le bump mais il n'a pas de ressources pour dégager, il va se faire bloquer par Daniel, Alpha derrière contre et à son tour par Bismode. Radosin, il va pouvoir récupérer le boost, quoique il est passé à côté et du coup il est obligé d'accélérer vite, Daniel qui se rate complètement mais personne n'est là côté Vita. Je pense que Radosin il a respecté, il n'a pas voulu aller chercher la double top, elle est belle cette lecture, heureusement qu'on vient toucher ce ballon avant d'être démo du côté d'Alpha54. Ouais, on respecte quand même beaucoup des deux côtés les tentatives de Wallery, de double tap. Il y a toujours un joueur sur la ligne qui s'attend à ce que ça rentre. Cette fois-ci, c'était Alpha qui a parfaitement fait le job. Allez, Bismode, la lecture. Il y avait la pression de Radosin, mais le contrôle est excellent de la part du joueur de G2. Zen qui essaie de renverser le jeu en direction d'Alpha54. C'est bloqué par Atomic. Il va pouvoir y retourner Atomic, même s'il est passé complètement à côté de ce ballon. Le compte de Daniel sur Radosin. Zen à la relance qui va y aller en solitaire. Il est contré par Bismode. Oh, Bismode! Oh là là, j'ai eu peur que ce soit cadré. Radosin était là. Heureusement qu'il était vigilant, Radosin, devant la ligne des Vitality. Toujours un 0 pour l'équipe en orange, Alpha54 en plus derrière, un bon contre qui centre avec le point de corner. Bon, la relance de G2 qui ne tarde pas à remettre ce ballon sur le backboard. Touche de Daniel pour venir trouver Bismode, le fake, le retour de Zen. On n'y a pas cru, on a été plein de sang-froid du côté de Zen sur la ligne, la position de contre ici pour essayer de faire profiter Alpha54 ce ballon. Malheureusement c'est Daniel qui va pouvoir écarter le danger. Radosin qui l'attend au sol, derrière c'est suivi par Atomic qui va se faire stopper par Zen. Bismode c'est le premier sur ce ballon, il va aller sur le ceiling bien évidemment, il est attendu par Alpha, il est attendu par Rado, il a réussi à éliminer un premier joueur, plus de ressources, il ne peut pas trouver de bum, quoique Radosin finalement qui se fait embarquer, Zen va devoir défendre. Il y arrive bien, Zen a renvoyé ce ballon dans la moitié de terrain adverse, ça revient quand même très vite avec ce dégagement d'Atomic, on voit une démolition, Alpha54 dans la tourmente qui est démolie, mais on joue toujours à Rocket League ou il n'y avait plus beaucoup de joueurs sur le terrain quand même pendant quelques secondes. Daniel, il va essayer de trouver un coéquipier, flip reset de Daniel, il va falloir défendre. Oh, on était très entreprenant du côté de G2, très bon fake de Bismode. Ouais, Bismode il était très haut sur le terrain aussi, attention là il a bien coupé au milieu, le duel de Radosin face à Atomic, ça profite à Daniel. Attention, il a encore 52 boosts et on le voit mécaniquement, il est très bon depuis le début. Le Messi pour essayer de donner de la vitesse à ce ballon mais c'est manqué. Bismode dans le corner, il va essayer d'y retourner, trouver un bum sur Zen, le dégagement est gêné mais c'est Alpha qui sera là derrière. Alpha qui ne peut pas poursuivre dans les airs, qui va essayer d'aller contrer Daniel, mais c'est manqué. Radosin sur le ceiling, c'est pas mal, on maintient les G2 quasiment devant leur but. Bismode qui gagne un petit peu d'espace, Zen qui viendra le contrer, remise dans l'axe, attention le fake qui aurait pu donner quelque chose d'intéressant pour les G2. La touche d'Atomic qui sera premier sur cette balle, en marche arrière Zen dans le point de corner qui peut écarter, double commit du côté de G2, il faut relancer de l'autre côté du terrain, ce sera fait par Vitality mais on tarde un peu à aller sur ce ballon. Ouais, et on continue de subir la pression dans cette rencontre, Atomic, Alpha qui va réussir à dodge le bump, il sera là derrière, juste devant Bismode, Radosin qui arrive à prendre le contre, la démolition, Zen derrière, c'est compliqué, le ballon il est très long, Bismode sera là pour défendre, pas de soucis, le contrôle est bon, il y a eu une démolition, mais Bismode a toujours le ballon. Le turn d'Alpha, il y a Atomic qui respawn ici et qui peut repartir. Attention à Zen qui met de la pression, la double tap peut-être de Zen, le ballon qui a flotté dans l'axe. On ne pourra pas venir chercher le contre. Oh, Daniel qui s'est fait dunk. Il a voulu fake Radosin, mais il n'est pas né de la dernière pluie. Évidemment, le joueur de Vitality, Alpha54, pas de contre. Ce sera pour Zen au milieu. Allez, Bismode dans les airs. Vitality qui mène toujours 1-0. On est dans la dernière minute 30 de jeu. Peut-être le but du break ici pour Radosin avec le flip reset. Il l'enclenché, contré par Atomic. Daniel sur le backboard. On va essayer d'aller chercher le mur. Le pitch avec Atomic. On a toujours le contrôle du ballon côté G2. Attention à Bismode ici. Alpha qui l'a pour le stopper. Qui va se faire bum. Mais Radosin est en couverture. Zen avec un petit peu d'espace devant lui qui va manquer le contact avec le ballon. On se gêne un petit peu avec Rado. Finalement, on a toujours le contrôle. Atomic qui renvoie et qui peut poursuivre. Attention à ce petit fake là, ça met un bon ballon dans l'axe, la touche en deux temps, qui peut faire une passe Bismode qui l'a un petit peu amorti. Zen pour le dégagement, Atomic restait positionné derrière, heureusement qu'il est sur la trajectoire du ballon parce qu'il n'avait plus beaucoup de boost. Touche de Bismode pour empêcher Alpha54 de venir mettre une frappe sur la cage des G2. On se fait bump du côté d'Atomic, c'est Daniel qui la contrôle, est-ce qu'il peut passer? La défense qui a un petit peu de mal, mais finalement c'est dégagé au milieu pour Bismode. Bismode qui tente le pinch, qui le trouve, qui arrive à éliminer Radosin, Daniel derrière qui fait le turn face à Zen, il tente de fake mais ça ne passera pas pour le joueur des G2. Bismode qui fait la passe vers Atomic déjà dans les airs, le tir heureusement n'est pas cadré pour la défense de Vitality. Allez, Alpha à la relance qui s'est un petit peu manqué dans son enchaînement, Bismode qui va pouvoir revenir, on pousse côté G2 pour revenir dans cette fin de match, il a son flip reset, Zen qui va heureusement touché cette balle. Essayez de nous faire une ato, Bismode, il l'a gardé le plus tard possible. Ah, ça c'est bien. Derrière, très bon dégagement qui temporise à merveille pour Vitality. Ballon sur le backboard adverse à 10 secondes de la fin. Peut-être la dernière action de la game avec ce piqué de Daniel refusé par Zen qui saute instantanément sur le ballon. Duel qui neutralise la balle dans la moitié de terrain orange à 3 secondes. On maintient ce ballon dans les airs du côté de G2. Ça viendra toucher le sol. Non, rebond dans pas de corner. Pas encore, pas de but à 0 secondes encore, on défend. Et cette fois, Vitality va sauver cette première balle de match. Ouais, il a voulu contrôler Bismode, c'était un petit peu long malheureusement pour lui permettre d'enchaîner. On s'est fait peur sur cette fin de match parce que les G2 se sont montrés encore une fois très pressants pour venir égaliser, mais la défense des abeilles qui a tenu parfaitement bon dans sa moitié de terrain et finalement tout se sera joué sur ce but en début de match. 13 secondes, ouverture du score, derrière ça n'a plus bougé, 1-0 pour Vita qui reste en vie dans cette demi-finale. Mon très cher Razor, ils sont quand même toujours dos au mur, toujours menés par ces G2 sur le score de 3-2, et voilà, on a retrouvé un petit peu de solidité défensive et ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir, mais regarde dans les stats, il y a toujours 11 tirs du côté du G2. C'est toujours eux qui dominent. Les Vitality ont certes été très bons en défense. On a vu, heureusement, qu'il y a ce contre de Zen quand même pour débloquer un petit peu, ne serait-ce que le score. Parce que ce qui se passe dans la game, le contexte dans le terrain ne change pas. C'est toujours G2 qui pousse. Ça rend les matchs irrespirables, invivables. C'est cette pression mise par G2. On est en apnée en fait, vraiment, du début à la fin du match, on a du mal à trouver un petit peu d'air. Heureusement, de temps en temps, il y a des clears, mais en termes d'opportunités, tu l'as dit, voilà, 11 tirs côté G2, seulement 2 côté Vitality, ce qui veut dire qu'après cette frappe de Zen, il n'y a eu plus qu'une seule réelle tentative, et c'est un petit peu, à part cette game 2 que Vita perd à 0 secondes, où pour le coup ils l'ont vraiment dominé, malheureusement ils la perdent, sinon c'est vraiment G2 qui a la main encore et toujours sur cette série, et c'est eux qui sont toujours en position de terminer cette demi-finale. 3-2, Vitality doit nous emmener en Game 7 pour espérer rallier la finale. Avec un premier fake sur un flip reset, la Zen qui va essayer de continuer à mettre la pression, il ne pourra pas. Daniel qui vient chercher un bump très intelligent sur l'attaquant adverse. Oh, le Daniel reset, qui a l'opportunité de venir chercher un reset, mais c'est parfaitement défendu par Radosin. Second départ Zen en plus. Allez, Atomic derrière à la reprise qui va essayer de repiquer dans l'axe de l'autre côté, même probablement avec le reset. On a vu Bismode faire le turn, il est trouvé par son coéquipier. Attention, il a du boost, l'enchaînement, il est bon avec le reset, il va la retoucher, second poteau. Zen est là pour défendre. Allez, ballon dans la moitié de terrain des G2 pour Daniel qui va essayer de repartir. La touche qui met ce ballon de l'autre côté, mais la balle de balle d'Atomic qui va pouvoir continuer sur le mur, partir dans les airs, essayer d'aller chercher un reset sur le ceiling. Oh, il a utilisé son saut, il n'a pas pu. Flick, est-ce qu'on peut avoir un rebond dans le point de corner? C'est intéressant, la démolition est bien timée, il va falloir défendre ce premier poteau, ce sera fait, la frappe dans la lucarne d'Atomic. Ouverture du score de G2. C'est pas la première qui met dans cette position Atomic, viser cette lucarne, il arrive très bien à le faire. Radosin qui ne peut rien faire du tout dans sa position, je pense que même si t'es bien placé, c'est difficile d'intervenir 90 km/h alors que la balle touche le poteau au niveau de la lucarne. Très très dur à arrêter. Et on part pour un second kick-off du coup. Zen va essayer de la mettre dans la moitié de terrain bleu, prend du boost, c'est finalement Radosin qui va se saisir du ballon. Attention de ne pas être trop passif parce que on met de la pression du côté de G2 avec une double tape tentée du côté de Daniel. Heureusement que Zen sera là pour écarter le danger. On essaie de repartir, contrôle, c'est finalement Alpha54 qui va se saisir du ballon. Il n'a pas de boost. Il n'a pas de boost et en plus on bloque bien l'espace aérien du côté de G2. Allez, Radosin derrière, Bismode est éliminé. Est-ce que Radosin peut la retoucher? Il cherche un bump mais on est là en place dans la défense de G2. Zen qui n'a pas pu toucher cette balle, Alpha du coup qui va devoir repartir depuis son propre backboard. Et Atomic qui va le chercher depuis le ceiling, qui arrive à remporter le duel. Radosin, faut pas se manquer. Le contrôle est excellent. Encore une fois, on va essayer de repartir proprement, mais encore une fois, il y a un joueur de G2 qui est déjà dans les airs et qui s'impose. C'est Bismode cette fois-ci. Il peut retoucher cette balle. Il n'a plus beaucoup de ressources pour accélérer. Il se fait démolir. C'est dégagé par la défense de Vita. Daniel, milieu de terrain, c'est dur pour lui d'enchaîner. Radosin sera le premier. Ouais, un petit peu de ressources pour Radosin, suffisamment pour venir chercher un clear intéressant et temporiser avec un duel derrière. Belle accélération de Zen. Allez, il y a un peu de magie. Il va essayer d'aller chercher une position de contre, peut-être. Les 1v2 pour Zen, c'est de l'eau. Pas besoin de magie, un bon vieux tout droit, Daniel qui passe en dessous, Zen qui, comme très souvent en position de contre, est extrêmement bien placé, le ballon qui rentre dans le but de G2, égalisation de Vitality dans ce match numéro 6, et 3 minutes 13 encore à jouer, on n'a pas fini de transpirer dans cette série, je vous le dis. Allez, Radosin, le dégagement, il va essayer d'aller poursuivre son travail pendant que ses coéquipiers se font démolir, il arrive à la retoucher, ce qui peut enchaîner Radosin, peut-être qu'il est battu finalement. Allez, Alpha54 qui la bloque dans les airs, dans la moitié de terrain des G2. Est-ce qu'on peut continuer du côté de Vita? Bonne connexion aérienne avec Atomic, Bismode qui va pouvoir réceptionner le service. Il va falloir venir défendre, mais on est positionné sur le backboard du côté de Vitality avec Alpha54. Touche de Radosin, C'est toujours dans la surface de réparation. Zen arrive à écarter sur le côté, mais c'est toujours dangereux. Quoique cette seconde touche temporise un petit peu. Bon, attention, il y a une démolition sur Radosin ici. Bismode qui a un boulevard dans les airs. Il est gêné par Alpha et Zen sur le backboard assure une bonne défense. Atomic pour aller en remettre une couche. Il a encore du boost. Il arrive à la retoucher. Auquel travail de la part d'Atomic. Le service pour Daniel. Le tir sous la barre transversale. La parade de Zen encore une fois, mais on n'a plus de boost. Côté Vita, Daniel qui essaie de garder de la hauteur. Bismode pour la retoucher. Là, normalement, c'est tranquille. C'est Alpha qui dégage. Ouais, mais c'est bloqué par Atomic. On est toujours dans la moitié de terrain des Vitality. On ne respire pas en défense du côté orange. Pas que ça temporise bien avec ce contre bien mis au milieu. La frappe d'Alpha 54 un petit peu ratée, il a perdu son duel face au joueur de G2. Oh le ok, Vitality qui ont du sang-froid, Zen qui va essayer de passer, mais Daniel sera là pour le gêner évidemment. Ballon dans le point de corner réceptionné par Atomic. Alpha qui tente sa chance directement, ça force Daniel à faire la parade. Radosin qui ne peut pas y retourner, ça va être dégagé par Bismode qui lui aussi tente sa chance de loin. Il avait vu Zen sur le côté, mais bien évidemment que ça ne fonctionne pas. Radosin, la lecture, la frappe de la part d'Atomic, c'était pas loin du tout. La frappe de Radosin était vraiment très puissante. Allez Alpha, la bonne communication avec Zen, malheureusement il se fait bump. Ouais, Bismode qui saute dans les airs, on va venir refuser cette opportunité peut-être. Avec ce contre dans les airs, Zen qui va fake, mais Bismode sera plus rapide. Est-ce qu'on peut continuer? Bon dégagement de la part de Radosin, ce sera sur le backboard. Est-ce qu'on a quelqu'un pour défendre du côté de G2? C'est Daniel qui s'en charge. Touche d'Alpha 54. Oh, c'est un petit peu raté, mais finalement le ballon qui va être poussé de l'autre côté du but. Ah, ils s'en sortent bien les G2 parce que le raté d'Atomic était grossier. Et attention, contre avec Bismode, ce sera bloqué par Zen. Daniel face à Alpha, il est passé. Radosin derrière qui doit intervenir, mais Atomic est là. Il tente sa chance directement. Zen va couvrir le premier poteau. C'est toujours pas dégagé dans la défense de Vita. Il y avait eu un bump en plus, mais finalement on est revenu. Pas de touche pour Atomic, là Alpha va pouvoir écarter le danger. Ah, il essaye de wave dash, mais il n'a pas énormément de ressources Alpha, il est beau le flic pourtant, tu l'as vu. Mais Daniel sera là pour venir chercher la parade juste et essayer de relancer les G2. En plus il arrive à neutraliser un premier duel derrière le ballon dans le point de corner. Très bon erreur. Alpha 54, le direct, ça va être dur, la double tap d'Alpha 54, c'est finalement un service sur le backboard. On a sauté, Radosin le contre, Zen pour terminer le travail, on décide de rester positionné derrière. Il avait pas beaucoup de boost, il a pas voulu se jeter, hein. Je pense qu'il a bien fait. Zen dans ces conditions, Atomic de la ressource, il n'en a pas non plus, il va se faire contrer par Radosin. Il essaye d'aller gêner la relance de Bismode, ça traîne, Zen peut-être avec le ceiling, ça retombe. Et qui est là? C'est le capitaine, c'est Alpha 54 qui se retrouve à la finition, l'intelligence de Zen et le double commit de G2 qui coûte cher. Cette fois, Vitality arrive à inverser la vapeur un petit peu. On fait goûter à G2 de sa propre médecine, phase de pression qui paye pour venir chercher l'avantage à 32 secondes de la fin. Mais on a vu que malgré que le chrono soit bas, ça ne fait pas peur à G2. Il faut être vigilant jusqu'aux dernières secondes. Ouais, ils sont repartis directement à l'offensive pour essayer de venir égaliser dans cette fin de match. Alpha sans ressources qui la remet dans l'axe. Atomic qui va la toucher, c'est rendu à Zen. Il essaie de frapper directement, le cadre n'est pas trouvé. Daniel qui se rate, Radosin qui termine. Et on vient probablement plier ce match avec ce troisième but. La game numéro 6 qui s'en vont pour Vitality avec ses deux buts d'avance. Le break à 15 secondes de la fin. Radosin intelligemment qui tire en dessous de Daniel pour venir chercher le troisième but un petit peu libérateur pour les Vitality dans cette game numéro 6. Le travail offensif qu'ils ont proposé dans cette game paye. Effectivement, on les a retrouvés un peu plus dominateurs que lors des matchs précédents et tout de suite c'est une autre histoire. Allez, ne pas se faire peur, très belle intervention d'Alpha ici qui essaye de gêner Bismode derrière. Le chrono a suffisamment défilé, Radosin qui va essayer de pousser le plus loin possible. On ne retouche plus ce ballon, mon très cher Razor. Ils étaient menés 3-1, ils sont de retour à 3 partout. Nous allons sur Champions Field. Deuxième balle de match d'affilée sauvée pour Vitality. Il va falloir aller, on transpire un petit peu quand même. Hein. Il fait chaud ici dans cette salle. Il fait chaud dans ce Kemi Allen à Copenhague. Et là où il doit faire chaud aussi, ça doit être du côté des joueurs de G2 qui ont un petit peu plus de mal à passer face à cette équipe de Vitality. On voit des fulgurances, mais cette fois, quand il y a de la proposition offensive, Vitality arrive à faire la différence. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une game où Vita a eu plus de tirs que G2. Ouais, que G2 voilà. Et là c'est le cas et tout de suite ça nous donne un scénario bien différent. Les G2 qui n'ont mis qu'un petit but sur les deux dernières rencontres. Forcément quand on arrive à mieux les contenir tout de suite c'est beaucoup plus simple et ça fait le bonheur des Golden Hornets qui sont venus aujourd'hui. Ah, malheureusement pour eux, ils ont perdu leur équipe Counter-Strike. Du coup, on vient se rattraper sur Rocket League. Ils ont dû stresser, ils ont dû avoir peur. Hein. Je pense que eux, comme sur le stage, il doit faire très très chaud. Mais là, on respire peut-être un petit peu mieux, même si il va y avoir ce temps mort, bien sûr, pris par G2 à l'aube du dernier match de cette série. On avait des quarts de finale de très haut niveau aujourd'hui. Hier, pardon. Aujourd'hui, on est reparti sur les mêmes bases pour l'instant, Razor. Quand tu regardes les équipes qu'il y a, quand tu regardes les affiches qu'il y a, on s'en doutait. Ça devait finir c'était forcément Game 7. Petite overtime peut-être, on sait pas. 10 minutes d'overtime. 10 minutes d'overtime. Oh, peut-être pas quand même, parce qu'il y a un moment, il faut qu'on garde notre cœur bien accroché. Et Satu qui doit trouver les mots pour son équipe, essayer de relancer. Ça fait 2 games d'affilée que G2 perd. Ils essayent de pousser toujours en proposant un jeu extrêmement offensif, en mettant la défense adverse sous pression. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. On a vu beaucoup d'optiques de venir chercher des démolitions. On a vu Vitality qui était plutôt comme ça dans le début de la game. G2 a essayé de s'initier aussi à cette pratique. Ça a fonctionné dans certaines conditions. Qu'est-ce qu'on dit du côté de Satu là? Peut-être essayer de... Relâcher la pression, surtout à l'Open Game 7. Je pense que... je sais pas, il n'y a plus trop de paramètres en compte en vrai. G2 a bien joué dans cette série, il faut qu'ils continuent de faire ce qu'ils font, hein, genre ils jouent vraiment bien. Maintenant il faut réussir surtout à souffler, oublier les 2 dernières games, oublier que le momentum est du côté de Vitality pour repartir sur un match coup près. Là on est sur un BO1 et moi j'ai une petite pensée, c'est pour les familles des joueurs qu'on a vu tout à l'heure côté Vitality qui étaient déjà très stressés, j'imagine pas dans quel état ils sont. Alors que le match numéro 7 démarre, mon très cher Razorback, le vainqueur ira en finale de ce Major de Copenhague. Avec un premier ballon pour Vitality dans la moitié de terrain de Versen qui va laisser le joueur de G2 passer. Attention à ce backboard, il va falloir le défendre, mais finalement le ballon est un petit peu loin des cages. On retrouve Radosin qui essaye d'intervenir dans ce point de corner. Attention au petit piqué, la frappe, c'est dévié par Zen. Ah, et ça va être repris par Atomic. On essaye de trouver Daniel qui était resté aux avant-postes. Encore une fois, c'est Alpha qui sera là pour le bloquer. Atomic, le contrôle de balle. Radosin est éliminé. Zen qui va devoir dégager. Ah, Bismode qui vient couper tout ça. Radosin qui va se faire contrer. On n'arrive pas pour l'instant à se sortir de sa moitié de terrain. Côté Vitality, ça va être fait par l'intermédiaire d'Alpha54, mais il est tout seul. Ouais, dans le point de corner, on essaie de pousser. Les tentatives de gêne sur la défense d'Agor, mais on tient bon. Belle agressivité de la part de Radosin qui met le ballon dans le point de corner des G2. Bismode qui décolle, on voit Zen qui est là pour le contrer, superbe temporisation là de la part du joueur de Vitality. Et Atomic qui fait la différence quand même sur ce mur, côté gauche, Alpha54 qui essaie d'accélérer, de se présenter face à Daniel, bon bloc de Radosin. Mais attention, on a toujours la possession de balle, la phase de pression, elle est pour G2, on s'en sort bien avec cette touche de Zen. Non, il n'avait pas de boost, hein. Il a juste dégagé le ballon, on se gêne entre Atomic et Bismode, attention, un petit peu de panique dans la défense de G2 là-dessus, Alpha qui essaye d'en profiter, Bismode va pouvoir écarter le danger, c'est prolongé par Daniel. Radosin, le turn, il est bon, il va essayer d'y aller, il va consommer beaucoup de ressources. Mais il sera le premier sur cette balle. Est-ce qu'il peut encore jouer le coup? C'est Alpha finalement qui est devancé par Atomic. Zen à la récupération avec un setup très intéressant. Bismode est éliminé mais il a trouvé un bump. Daniel derrière peut récupérer, il se fait contrer à son tour. Bismode, Atomic, double commit. Alpha ne peut pas frapper directement. Il va essayer d'aller passer avec un flip reset fake tenté, mais il se fait contrer par le joueur de G2. Oh, le boucher inférieur, le rebond est impossible à lire pour Radosin. En plus, on n'avait pas énormément de ressources. Zen qui écarte, ça va revenir dans l'axe. Oh non, c'était vers un coéquipier, je l'avais pas vu. Atomic essaie de prolonger sans boost. Zen sur le backboard qui peut écarter. Allez, Daniel au duel, ça repart milieu de terrain. Bismode sera là dans l'axe, Radosinho qui l'attend sur le backboard, c'est Zen finalement qui va essayer de renverser le sens du jeu. Daniel, le contrôle de balle est excellent, derrière le duel est remporté, il y a une dévolution, Pulse cherche le même sur Zen, c'est complètement open, mais Alpha sera le premier heureusement. On a eu le temps de revenir in extremis dans la défense des Vitality, contre qui met ce ballon dans l'axe pour Bismode qui viendra centrer avec le point de corner. Attention à ce rebond, parfaitement anticipé, et on peut se relancer du côté des Vitality. On a fait la différence, est-ce qu'on peut venir chercher le crochet? Au premier poteau, on attend le dernier joueur, c'est Zen qui viendra contrer. Attention à la contre-attaque des G2, ballon au milieu de terrain pour Bismode, il va essayer de passer au-dessus. C'est juste au-dessus du cadre, mais quel flip, quel squishy save de la part de Radosin. Ah, et Zen derrière qui va dégager le ballon à l'aide d'Atomic. Daniel qui se fait contrer par Alpha54, mais Bismode devrait être le premier sur cette balle. Il a lancé Atomic en profondeur, Zen sera là pour venir couper tout ça. Il y a Alpha qui l'a accompagné, il s'est fait démolir, Zen il est tout seul, pas de double reset. Bismode, on s'est très mal relancé, Radosin le contrôle est plutôt pas mal, on se gêne encore une fois dans la défense de G2, c'est Zen qui en profite. Ouais, petit reset sur le ceiling, on va finalement laisser Alpha54 caler, ballon dans les airs, oh, Atomic qui a mais bonne communication, on va finalement laisser Daniel mieux passer, intervenir sur cette balle contre de Radosin. Allez, il faut pousser du côté des Vitality, on a plus énormément de ressources du côté des G2, Bismode, on a suffisamment pour venir écarter le danger, chercher un duel intéressant face à Alpha54. Atomic qui doit composer avec une petite pastille dans la réserve. Ballon sur le backboard, dégagé de l'autre côté par Zen. C'est dommage là parce qu'on les sent vraiment shaky en défense, hein, les G2. Il y a quand même beaucoup de touches qui sont manquées, bizarres. On se gêne beaucoup, mais pour l'instant, la team Vitality, les champions du monde, qui n'ont pas réussi à en profiter. Zen ici qui va chercher une double tape. Il n'aura pas cette boost de toute façon. Bismode était là en couverture. Allez, Atomic sur le mur. On essaye de relancer Daniel dans l'axe qui va mettre ça dans le corner de Vita. Alpha, très long dégagement. C'est repris par Bismode. Est-ce qu'il cherche le wall read? Il ne l'obtient pas. C'est Zen qui renvoie. Ouais, ballon au milieu du terrain, Atomic qui ne va pas aller sur le mur. Attention Alpha54 qui du coup peut mettre de la pression, venir chercher un bump intéressant. Pas de frappe du côté de Radosin. Dans le point de corner, on arrive à écarter. Zen qui se fait passer. Attention aux deux joueurs de G2. On essaie d'aller lancer Atomic pour venir chercher une déviation. Bismode, tentative de démo, esquiver. On le retrouve derrière. fait du côté de Zen. Touche en second temps peut-être pour essayer de gêner les joueurs adverses. Backboard défendu par Alpha54. Allez, Atomic vers Daniel. Oh, Daniel qui fake. Il a réussi à emmener un joueur avec lui. La passe derrière pour Bismode. Oh, c'est sur le poteau. Et derrière, c'est Radosin qui revient alors qu'on arrive dans la dernière minute de jeu. On s'en sort bien là-dessus côté Vitality. Pas de contre à trouver. On a été bloqué au milieu de terrain malheureusement. Oh, bon, la démolition, mais Atomic est là. Même s'il n'a pas de boost, il va pouvoir faire le turn et remettre le ballon dans le camp orange. Ouais, Radosin qui décide de la contrôler. Très bon setup dans un premier temps. Radosin qui va essayer de le contre. Ça met un bon ballon pour Alpha54. Le fake pour Zen. La frappe au sol s'est arrêtée par Bismode. Allez, c'est dégagé. Ça repart au milieu de terrain. C'est Radosin qui peut récupérer le ballon. Il a encore de la ressource. Il y a Daniel dans les airs. Il est éliminé. Ah non, ah, il ne peut pas terminer derrière. C'est Zen. Ah, c'est bloqué par Bismode sur la ligne. Alpha qui ne peut pas frapper directement. La défense de G2 qui tient toujours bon. Allez, dans le pas de corner, les trois joueurs de G2 qui sont là. Le flic de Daniel qui arrive à passer un premier défenseur. Oh, attention à ce duel sur le backboard. On voit Alpha54 qui essaie de monter dans les airs. Zen qui vient écarter. La frappe s'est écartée par Alpha54. Quelle fin de match. Il y a des occasions de fou des deux côtés, mais personne ne craque. Les défenses qui tiennent bon. Et il reste encore 10 secondes. Zen pour personne. C'est Daniel qui va dégager ce ballon. Daniel, il y a Radosin, il y a Alpha en défense. Pas de soucis côté Vitality. On va pouvoir relancer et obtenir une dernière tentative. Zen qui récupère le boost. Le contrôle est trop long. Le duel, ça peut profiter Alpha. C'est un petit peu trop long pour lui. Dernière overtime pour conclure cette demi-finale. On avait demandé l'overtime game 7 et on l'a finalement. Un but qui va départager les deux équipes. Un but pour envoyer l'une ou l'autre, soit l'Europe, soit l'Amérique du Nord en grande finale de ce Major de Copenhague. Allez, Bismode avec le premier ballon. Atomic derrière qui a fait le turn. Il n'a pas de boost mais il a touché Bismode qui poursuit, qui se fait contrer. Daniel s'est fait démolir. Du coup, il est loin. Radosin peut dégager. Daniel, on le retrouve ici. Très long ballon en direction de Bismode qui n'arrivera pas à la toucher. Zen, Alpha, c'est Alpha qui va s'emparer de cette balle depuis le backboard. On essaie de repartir dans l'axe du terrain. C'est contré par Atomic. Allez, touche de Radosin, c'est pas mal ça, ça force Daniel à sauter, à venir écarter ce ballon sur le côté. On voit Alpha54 qui est prêt à réceptionner le dégagement adverse. Belle touche. Est-ce qu'on peut venir trouver un coéquipier? C'est Bismode qui sera premier dessus. Bloc de Z dans la moitié de terrain d'Evita. On tourne rapidement, Radosin qui fait la différence. Ballon sur le backboard, ce sera pour Daniel. Allez, Daniel qui va essayer de relancer proprement. Attention, il a manqué sa touche de balle. Alpha l'a vu, il est en train de reculer, il va réussir à le contrer, mais c'est Bismode qui profite du ballon. Il a de la ressource, le flic est enclenché. C'est trop long pour lui, même s'il peut la retoucher. Ce n'est pas dangereux pour l'instant pour la défense de Vita. Attention, Radosin qui s'est raté ici. Atomic dans le corner, face à Zen, ça revient dans l'axe. Alpha sera le premier sur cette balle, il ne la rend pas, il essaye de repartir proprement mais il se fait contrer. Radosin face à Bismode, il tient bon. Daniel dans les airs, face à Zen, la position de contre du Nord-Américain, ça reste dangereux. Il y a Alpha, Radosin pardon, qui est en train de tomber et qui tient bon. Allez, ballon dans la moitié de terrain des G2. Atomic qui essaye de repartir. 42 boosts. On attend l'intervention du défenseur dans l'axe. Atomic qui arrive à écarter. La passe en retrait. C'est un petit peu raté. Il ne reste plus que Daniel dans la moitié de terrain des G2. Contrôle orienté. Duel remporté. Il part dans les airs. Il a du boost. Conduite de balle bloquée sur le ceiling. Zen, pas de boost pour lui. Il va devoir envoyer un bunker pour sortir du temps. Et il l'a bien fait. Il s'embarrasse pas. Effectivement, là, cette fois-ci, c'est un très long dégagement qui retombe sur Bismode par beaucoup de ressources. Radosin, on l'a vu, il est probablement parti chercher un bum. C'est Alpha derrière qui peut récupérer le ballon face à Daniel dans le corner. Daniel qui est épaulé par Atomic, Zen qui recule, Alpha qui va essayer de servir son coéquipier. Est-ce que Zen peut aller trouver le but tout seul? Zen avec le flip reset, il est bloqué par Daniel. Radosin battu par Atomic, Alpha était trop! Alpha était trop sur le terrain! Et Atomic va pousser Razor! Les G2 en peau du suspense qui s'impose! Game 7, overtime, 1-0, G2 est en finale. Petit surplus d'agressivité puni du côté de Vitality. Et c'est G2. C'est l'Amérique du Nord qui vient chercher le premier ticket qualificatif pour cette finale de Copenhague à l'issue d'une Game 7 absolument haletante. Finalement, cette dernière balle de match n'aura pas pu être sauvée par Vitality. Ouais, la première défaite en LAN pour ce roster du côté Vitality. Et on voit que les joueurs sont très affectés, notamment Zen qui a l'air pas très bien là. C'est dur ce but, en plus il est tellement évitable. Radosin, Alpha, ils étaient collés les deux, beaucoup trop proches malheureusement, et on est surpris par cette petite touche de la part d'Atomic qui vient faire la différence. On aura une équipe non européenne en finale d'un tournoi international en LAN. Ça fait très longtemps que c'était pas arrivé, Razor, puisque la saison dernière, on le rappelle, ça a été largement dominé par l'Europe, surtout sur la fin. C'est depuis le Winter Major et cette finale de Karmine Corp contre FaZe, c'est la dernière fois qu'on a eu une équipe nord-américaine en finale. Cette année, on aura les G2 qui s'imposent. On avait eu Genji à Rotterdam. Ouais, c'était avant. C'était avant. Ouais, c'était avant. Et écoute, on est triste, on aurait bien évidemment préféré un maximum de Français en finale, mais relancer un petit peu cette rivalité NAEU, voir que G2 sort le seed numéro 3, sort le seed numéro 2 européen. Ils vont devoir jouer encore une équipe européenne en finale. En vrai, la run pour G2, elle est folle. C'est les tueurs d'Européens pour l'instant. G2 eh oui. Mérité. Ça fait mal à dire, mais ils sont bons. Hein. Quelle performance, quel match, quel niveau ils nous ont offert, les joueurs de G2. Et on va avoir une petite interview de Bismode, évidemment. On a eu deux très belles équipes hein, en vrai. G2, ça jouait vraiment très très bien. On est resté sur la lancée de la qualité qu'on a eue hier dans ces quarts de finale. Vraiment du très très beau Rocket League qui nous est proposé ici à Copenhague. On avait des doutes quand on a eu l'annonce de la LAN. Tout s'est fait tard et tout. Ouais. On s'est dit waouh, est-ce que ça va être bien ce major? Bah, les équipes nous font oublier tous les soucis qu'il y a eu pour ce major et nous proposent un Rocket League complètement fou. On voit les supporters de Vita hein, qui continuent de donner de la voix bien évidemment pour leur équipe, même si bah, ils ne verront pas la finale. Cette fois-ci, ça devait bien arriver hein, de toute façon. Voilà, on savait que tout ce qu'ils avaient fait la saison dernière, ça serait compliqué à reproduire. On n'a pas gagné pour l'instant dans le premier split européen. On n'a pas réussi à aller au bout durant ce Major. Et on va laisser la parole à Lifex et Bismode. Le dernier espoir de l'Amérique du Nord. Allez, faites du bruit pour G2. Non. Indice pour vous à la maison? Non. Par où commencer? C'était complètement fou. Et évidemment, c'était votre premier aussi bon résultat en RLCS. Vous êtes super fiers. Je ne veux pas perdre la finale. Je suis très heureux qu'on soit là, mais maintenant je veux... Je vais aller jusqu'au bout. Prenez un petit peu une revanche de toute cette région nord-américaine. Il n'y en avait pas beaucoup, mais G2 est l'une d'entre elles, une des équipes qui pose problème aux Européens. Ça fait longtemps que G2 n'avait pas joué contre Vitality. Aujourd'hui, on a gagné, donc c'est cool pour G2. On est le dernier espoir des Nord-Américains. Et on va essayer d'aller chercher la victoire pour vous. Do you feel any pressure? Do you think about that? That you are NA's last hope? Est-ce que ça vous donne un peu de pression d'être ce dernier espoir nord-américain? Un petit peu, effectivement. On veut bien faire pour notre région. Il y a forcément un petit peu de pression. Mais on se focus game par game et on réfléchit pas plus. Dernière game, on a tapé des poteaux juste avant le overtime dans cette game 7. J'aurais voulu la mettre, évidemment. On a eu beaucoup de très bons tirs. J'aurais aimé que certains rentrent, mais à la fin, on a gagné et c'est ce qui compte. Et là, tu repenses à cette égalisation. Petite occasion pour toi de remercier tout le monde, la foule et tout ça. Merci à ma famille, à tous ceux qui nous supportent. Sans vous, ça serait pas possible. Du profond de mon cœur, merci à tous ceux qui regardent. Bravo à Bismode, une très très belle victoire des G2. Probablement, on en reparlera hein, pendant le desk, pendant le débrief de ce match, probablement le meilleur G2 qu'on a vu cette saison. C'est clair que ça en prenait bien le chemin. En effet, on voit T-Bates qui sort les bibis pour ah là, il est heureux, pour une fois qu'il a raison. Voilà. Il a quand même dû petite trace de transpiration. C'est le seul, je crois que c'est le seul du desk nord-américain qui a pronostiqué G2. Hein. Je crois que tu avais Dazrin qui a mis Genji, ouais. T-Bates qui a mis G2. Je crois que c'est Hercules qui a mis Falcons pour les vainqueurs du Major, et tout le monde avait mis cassé hein, derrière cassé, ça. Donc, sauf le chat, ça a changé aujourd'hui. C'était plus cassé, c'était Gentlemates aujourd'hui pour le chat. Donc voilà, visiblement les fans de Gentlemates qui ont répondu présent du côté du stream officiel pour faire pencher la balance de leur côté. Nous, on va se laisser quelques petites minutes, le temps d'une pause. On revient avec le desk pour vous débriefer tout ça et surtout la deuxième demi-finale. Juste après, Karmine Corp contre Gentlemates, c'est d'ici quelques minutes.